Encore une lettre pour te rassurer. Je suis bien vivante. Mes lettres se font de plus en plus rares, je sais. C'est seulement que j'y trouve plus vraiment de sens. La dernière doit remonter à presque 5 mois, et depuis j'ai déjà parcouru plus de 10 pays. Je suis arrivée à Ouaga il y a une semaine. C'est un bel endroit. J'aime la terre battue de Karpala. Les gens sont accueillants, on est loin de l'agitation du centre-ville. Mais je pense que je vais bouger bientôt. Il y a trop de choses à voir. J'avale la route au kilomètre, mais j'ai pas encore trouvé ce lieu qui pouvait être le mien. Je voulais dire, sans doute ceci est ma dernière lettre. Ça ne veut plus rien dire, je ne peux pas me sentir rattachée à une vie que j'ai choisi de quitter il y a plus de 4 ans. Je sais que tu ne comprendras pas, tu as toujours considéré mon départ comme un caprice. Nassara, qu'est-ce que tu fais ici? Oui, bonsoir. C'est Prudence de Bobo qui m'a dit que je pourrais peut-être trouver un endroit où dormir ici. Oh oui, dépose ton sac et viens t'asseoir. Certains voyagent par goût des autres, pour cumuler des souvenirs, pour changer d'air. Moi, je ne voyage que par nécessité. Il y a cette force qui toujours me pousse à avancer. Tu es encore là? Encore en train de rêvasser. Ça fait longtemps que tu devrais être au travail. Au lieu de lire des poètes, il faudra vivre un peu. Tu penses que si on ne travaille pas, on va avoir l'argent? Mais je te parle! Allez, file! Ça va? Ouais, ça va bien, et vous? Ouais, on a une petite pause à l'orphelinat, donc du coup on en profite pour se dégourdir les jambes, ça fait du bien. Ouais, j'imagine. Bah t'es pas venue l'autre fois? Là on t'a attendu toute la soirée. En plus on s'est marré, toi t'es bien que tu sois là. Ouais, je suis désolée, mais franchement j'étais vraiment crevée et j'ai pas trop eu la force de ressortir. Ouais, je sais pas toi, mais nous en tout cas, après une journée passée à l'orphelinat avec les enfants, ça fait du bien de décompresser un peu. Hein. Bon, moi je suis un peu en vacances, donc ça va. Ah bah si tu veux, on organise une sortie dans le centre-ville mardi après-midi, donc ce serait bien que tu te joignes à nous. Bah oui, viens. En plus, comme on repart mercredi tous les deux, et ben on fait une soirée avec les gens de l'asso mardi soir. Ok, bah ouais, pourquoi pas. Bon, il est possible que je sois repartie déjà le mardi, mais si je suis encore là... Ah bah si tu pars, tu me préviens quand même, ok? Tu passes faire un petit bonjour. Ça marche. Bon bah salut, à bientôt. Ouais, à plus. À bientôt. Gars, si tu continues comme ça, wallahi, tu vas pas durer. Regarde, il faut être rebelle si tu veux garder ce travail. Sinon, wallahi, le gars, il va te remplacer. Peut-être bien que oui. Je sais que t'es un mec sérieux, hein? Mais faut que tu te bouges un peu, quoi. Tu vois? Par contre, si tu fais tes preuves, moi, je pourrais te laisser gérer la cafette. Mais faut que tu aies de l'ambition. C'est pas ça l'ambition. Moi j'ai de l'ambition. C'est quoi t'appelles l'ambition toi? Tu vois, je vais commencer à vraiment vivre. Et c'est là que tu vas voir. Les choses vont être grandes. Voilà. C'est plus intense la vie. Les amis, le café, tout et tout et tout. C'est pas ça. Il y a des gens qui ont au moins compris. Et c'est comme ces gens-là que moi je veux être. Nous sommes tous coincés ici. Tu sais? Je crois surtout que tu lis un peu trop.
Nassara. Viens manger ici, là. C'est gentil, mais j'ai pas trop faim, là. Franchement, Jamila n'est pas sérieuse. J'ai été là-bas hier soir. Et vu sa mine là, quelque chose me dit qu'il y a quelqu'un d'autre derrière quoi. Là, tu la laisses tomber. Ah voilà. Bon, ok. Les gars, ça marche pour ce soir 8 heures. Oui, c'est bon. Ok. Donc, on va partir chercher Lucien et continuer directement voir Bienvenue. Cool. C'est bon? Si la moto est arrangée là, on fait la chose. Il n'y a pas de souci. Ouais. Hé mec, tu te perds pas dans le mur là, il ne va pas tomber. Ok, c'est bon, 8 heures. Non, 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 8 heures, j'ai quelque chose de fait. Les paysages défilent, comme les hommes. Je ne pourrai m'arrêter que lorsque je trouverai le lieu qui soit celui de mon absolu. Je ne compte ni les jours, ni les heures, je passe seulement. Je l'ai trouvé un jour, mais il me faut encore aller voir plus loin. Hé, hey, toi là, toujours en train de rêver. Ça veut dire quoi ça? Et d'ailleurs, arrête de frotter cette table. Tu vas finir par pouvoir te regarder dedans. Tellement il brille. Hé, hey, Nassara, faut pas te perdre dans le mur. Hein. D'ailleurs, il va pas disparaître. Merci. Tu viens d'où? Je sais plus trop. Tu sais au moins où tu vas? Je crois pas non plus. Oh. Tu restes ici alors? Non, je crois pas. T'es donc coincé? Ouais, c'est bien possible, ouais. Mais à part cette omelette, t'as quel programme? Propose quoi ?